Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de Songener, mesdames, messieurs. Songener, qui est une grosse entreprise pays d'Haïti, qu'on est de très longtemps, et ceci qui est un contrat à partir de sous M. René Gracia Breval, pour que M. Tefan sorte, il baille pays en courant, ou une bonne bâtisse dans pays en courant. Mais on bagage comme d'un mais partage avec nous pour comprendre. Monsieur était un contrat pour 15 ans et contrat fait gagné en pile plein qui était commencé fait tout ça qui parle la cause que il y a de mauvaises perceptions de bagage. OK? De mauvaises perceptions de bagage. OK? C'est des bagages qui au fait pas arriver trop bien dans l'esprit haïtien, chaque grand haïtien. Bon. Mais on est cap diriger Songener. Il est ça qui c'est Dimitri. Logiquement, Dimitri Vob c'est n'est cap gérer en bas ou bien cap gérer c'est pas ça depuis quelques. Mais madame, monsieur, il y a un contrat, j'aime ça t'as expliqué nous. Hein. C'est un contrat qui fait depuis quelques temps. Et contrat fait dans objectif pour capable améliorer question courant ou bien énergie dans le pays. Mais au fait, c'est pas tout le monde qui veut croire que c'est un problème aussi simple au hasard. Et selon quelques personnes, c'est un bagage qui t'a supposé résoudre par l'État haïtien lui-même. René Gracia Breval, c'était un ami proche et c'était un ami spécial pour monsieur ça et c'est lui-même qui était le contrat. M'bal quitter nous font regarder un petit documentaire un média dans international l'affaire qui expliquait clairement bon notre position que haïtien pas ta supposé nan zami tay nan relation nan kè content ak Dimitri Vob. Bal kite wè, bal permet ou gade l, probablement ap konprann bon bagay ki mis. Bal permet ke ou fè koude la, pou konprann. Parfois c'est pas seul nous même k ap suiv bagay, et pas seul nous même ki konprann. Et pas seul li mdou li deranje. M'a venu tout de suite après avec commentaire. Dimitri Vob. Cela vous semble étrange qu'un entrepreneur prestigieux finance les manifestations? Eh bien non. Sous le gouvernement Préval, on lui a octroyé un contrat d'une durée de 15 ans pour distribuer 50 kW d'électricité avec le carburant de Pétro-Caribe à Port-au-Prince avec une surfacturation de 126 millions de dollars. Il gagne 12 millions de dollars par mois, mais l'électricité n'arrive que par moment dans certains quartiers de la ville. Une enquête de 2015 a prouvé la corruption de l'entrepreneur privé Dimitri Vob. L'État haïtien lui met la pression pour mettre fin au contrat et Dimitri est devenu complètement fou. Il ne veut pas perdre la vache qui lui donne du lait et désormais il finance les manifestations pour un montant d'un million de dollars. C'est-à-dire, sur les 12 millions de dollars investis, il investit 1 million de dollars dans les manifestations. Faites vos comptes. Dimitri n'est pas seul. Il est soutenu par le sénateur Youri La Tortue, de douteuse réputation. Vous savez, celui que l'on surnomme Monsieur 30%. C'est la commission qu'il gagne pour les services rendus. Cela dit, vous voulez savoir où se trouvent les fonds de Pétro-Caribe ? Uniquement entre 2012 et 2018, Pétro-Caribe a financé plus de 400 chantiers, parmi lesquels des écoles, des terrains de sport, des espaces publics, des routes, l'électricité, des logements. Tout ce que vos yeux peuvent voir à Port-au-Prince, c'est Pétro-Caribe. Quasiment toute la reconstruction de Haïti après le tremblement de terre, c'est Pétro-Caribe. Les nouveaux immeubles gouvernementaux détruits par le tremblement de terre ont été construits par Pétro-Caribe.
Et saviez-vous que paradoxalement, les rues par où passent les manifestations ont été édifiées par Petrocaribe ? Souvenez-vous aussi qu'en 2010, le commandant Chavez a annulé la dette du peuple haïtien envers Petrocaribe. Ne vous laissez pas duper. Dites non à Dimitri. Dites non à sa cause. C'est sûr que nous comprenons, mais je vais m'expliquer. Dimitri Vob, c'est un entrepreneur haïtien. Et j'aime ça t'expliquer, moi. Monsieur, c'est directeur exécutif et vice-président de compagnie SAA qui activé dans la branche énergie en Haïti. À savoir, son génère qui définit comme ça Société Générale d'Énergie SA. Mais Dimitri Vob, mesdames, messieurs, monsieur Gouye, yon licence, d'accord, dit comme ça, pour domaine ça. En général, monsieur, c'est un nene qui gagne, qui démunit de yon liberté ou bien yon licence tout, pour vendre énergie dans le pays. Bien que vous ne vendez pas énergie, non, dans le langage électrique, non. Et dans le langage professionnel, là, disons, vous produit énergie, hein, et puis, vous mettez le service. Mesdames, messieurs, monsieur pour arriver jusqu'en exil. Pas oublier, je vais accentuer l'émission sous son GDR. Bien que c'est son GDR qui est au milieu de toute sa capacité. Mais plutôt, m'accentuer sur, disons, sur Dimitri Vob. En août 2018, après un échange musclé sur Twitter entre Laurent Lamothe et Dimitri Vob, dans ce qui concernait dilapidation de fonds Petrocaribe, on paquet l'autre l'obéi, au Sénat de la République, commission éthique et anticorruption pour implication yo en 2019. Le gouvernement de président Jovenel Moïse t'a engagé des avocats pour défendre l'intérêt de l'État haïtien dans l'affaire de contrat entre celui-ci des fournisseurs d'électrique dont la Songénère, mesdames, messieurs, la compagnie de Dimitri décliné à deux reprises l'invitation et avec menace parquet Port-au-Prince pour t'arrêter monsieur Dimitri avec des associations patronales ont vu en cet acte une instrumentalisation de la justice qu'elles ont dénoncé avec virulence. Monsieur pas obligé de quitter le pays, hein? En décembre 2019, parce que le président Jovenel Moïse a pris le mari M. Koukrab. Mesdames et messieurs, qui quitté Haïti, se déplacer, mesdames et messieurs. Vous allez résoudre le problème palio. Dimitri, par exemple, suspend, montrer que a investi dans tout mouvement qu'a fait dans le pays. Et l'homme de M. montrer ça, c'est pour petit bâjou. Et mesdames, messieurs, Dimitri vini, faut me dire nous tout, son aigle qui maîtrisait plusieurs chapitres, qui a plusieurs bagages que le fait. Et pendant que monsieur là-bas, j'ai fait de graves mouvements, et mouvement comme ça fait, c'est garder comment il ça arranger la face président Jovenel Moïse pendant le télébord pendant depuis décembre 2019 l'a communiqué la prison par terre et il n'a plus gros niveau de corruption que monsieur ça gagné c'est investissement que le fait dans ça qui gagne à croyac l'argent que le financé en pile madame monsieur en pile dans ça qui vient ouais avec mouvement ou manifestation qu'a fait dans pays et mouvement ça yo
Selon enquête, l'autre monde, au Venezuela, gagnait plus de 1 million. J'ai bien dit 1 million de gouttes comme ce bail parmi 12 millions de gouttes qu'elle toujours prend en main l'État haïtien pour fournir blackout là. En plus, le monde toujours croit que Dimitri Vob c'était un mal absolu pour le pays d'Haïti. Quelques monde qui ont un problème avec Jovenel croit que ce n'est pas supposé Jovenel qui était pour faire ça. Même d'ailleurs, même de nous, qui est ce monde, nous pensons que t'as pas fait, qui t'as pas fait après Jovenel Moïse. Parce que Dimitri toujours en train de nous, depuis le monté, il faut les amour. Et dans la campagne, pour commencer à avancer, il finance nos gros niveaux. Et le finance là, normalement, il vient un monde qui dépend de lui. Jovenel Moïse vient tenir jusqu'à 2 ans. Le monsieur vient au courant que l'État haïtien va les fournir énergie hein, parce que il pas comprendre ça qui a passé dans le courant dans la carotte là. Pas oublier il y a un cheval de bataille de monsieur Jovenel Moïse. C'était courant 24 sur 24 là. Elle te dit ça. Et bah qu'on est. Est-ce qu'il t'a bien temps ou pas? Est-ce qu'il est capable? Mais j'aimerais parler avec sincérité. Jovenel Moïse tape. Fait de mouvement. Ouais. Comment il est capable d'interdire un paquet de bagaille? Je comprends. En réalité, il y a des bagailles que nous n'avons pas de café. Mesdames, Messieurs, mais débarrassons de Dimitri. Débarrassons de plusieurs autres mondes. Tant qu'on est que ça, c'était un primordial. C'était une chose extrêmement primordiale pour la République d'Haïti. Et si c'était mon pays qui a fait, mesdames, Messieurs, Dimitri Vob, côté monsieur, à la même si on était bon ami, il était frère, il était madame, on était madame, fille madame, nous venons dans le pouvoir, nous venons dans l'opposition dans le pays. Ça. C'est un citoyen où tu as supposé encourager Interpol pour voir pour nous, pour nous fouquer monsieur dans la prison. Pour nous flanquer monsieur dans la prison, pour monsieur suspendre, faire tintin dans le film. Ma prête, tu vas ici, m'attendre. Parce que nous, nous-mêmes, nous oublions vite. Et pour nous avons un problème qui résout la bonne en même temps. N'oubliez vite, on ne peut pas manger, on ne peut rien faire, puisque votre nous parle, il y a un petit bagage qui résout. N'oubliez. Ça, moi, m'appelle, nous avons tellement oublié vite. Des fois, nous-mêmes, oublié si nous oublions vite. Le temps qui est. C'est un peu de courage, c'est ça qu'a dit pour le moment. Et donc, nous croyons que, bah, il n'y a pas de conseil, les choses doivent être changées. Il a dit avec autorité qui de mèche et de couilles dans le temps, il a dit Madichon, oui. Ok. Merci. Donc, on a fait la population attendre cri, père de famille, ça, personnage, Bertrand Rudolph. Je ne connais pas si nous avons. Si Misuel décalage l'image là pour nous, pour capable qui est ce qui est Bertrand Rudolph, et qui ont cri. Qu'elle était lancée avec voisin Lio, monde de bonne foi, de bonne volonté, et pour être capable, ouais, si tu es capable de faire un dernier coup de main, parce que la situation est compliquée pour lui, on peut être un premier investissement, un premier rançon, oui, ça c'est Bertrand Rudolph. Donc, okay. Et situation vraiment difficile. Ma ville part après les noms, dit, je vais être la main gommée, dans le peignet, dans le tabac, dans le torsel, dans ta page. Et les parents disent que les gens qui ont examen, on ne peut pas parler d'examen. Si les gens ont fait toute nuit, ils ont toute détonation. Comment vous avez dans une salle de classe pour les produits? Même si la situation est tournée normale, les gens qui ont fait une école, ils ont examen. Dans cette situation, il y a rien de fait pour les gens de Bertrand Rudolph qui ont fait parler avec Pochli, madame, li, voisin, avec quelques autres de bonne foi, de bonne volonté. C'est dur, c'est triste.
la journal tout pays a pour n'après le passé voice on monde qui a demandé monde pour cotiser ou si a retiré le nom ravisseur parce que si on entre dans logique ça l'école a tout lagué net parce que monde n'a pas divinement de dans radio pour libérer faire demander pour etc. mais quand Bertrand Rudolph là son cas particulier pas vrai oui et moi quoi les bandits kidnappés depuis 24 mai passé hein, donc toujours non mais ravisseur bon essayer la guerre on allait là Greg bien collègue ami voisin chers frères et sœurs, je vis des moments de grande douleur depuis mon enlèvement et ma séquestration le 24 mai dernier. Problème technique. Ben non, essayez de regarder ça qui passait exactement avec Voissa. Ok, non mais c'est la vidéo. Je vous prie, aidez-moi. Quelle que soit votre contribution pour compléter un montant déjà versé pour ma libération. Sauvez-moi, je vous prie. Appelez mon épouse Dominique au 509 47 43 41 42. Rodolphe Bertrand, 17 juin 2022. Voilà, comme tu as une petite coupure, rebaille mon yo, rebissel pour mon yo. Citoyen Rudolph Bertrand, qui est un ravisseur, et n'a pas gardé le sous live là, ou même qui est sur Facebook, sur YouTube, moi qui connais, dit son un échantillon d'une personne du très bon commerce, moi qui fréquente elle, connaît son monde qui est humble, qui a respect pour monde, il a une petite chance pour le vouer, voir ça, mais c'est après, il y a une première rançon. La rançon demandée, famille en Bailly. Donc, monsieur, les revenus qu'on a, son monde qui gagne un peu les amis, il connaît qui veut les jouer, quoi sont. Il occupe un poste. C'est APN qui côté ça. Je n'ai pas de détails, je n'ai pas trop d'informations. Et donc, on fait mon yo, vive. C'est 17 juin, je dis à nous 20. 24 mai. Non, c'est 17 juin le fait voice là. Ah, ok. Oui. Avait dit qu'il a kidnappé le depuis 24 mai, il a un mois. Il a un mois. Non, mais ma vie sérieuse. Donc, il a parlé avec proches, les voisins, famille, etc. etc. En bien entendu le cognac, en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Chers collègues, amis, voisins, chers frères et sœurs, je vis des moments de grande douleur depuis mon enlèvement et ma séquestration le 24 mai dernier. Et je vous prie, aidez-moi. Quelle que soit votre contribution pour compléter un montant déjà versé pour ma libération. Sauvez-moi, je vous prie. Appelez mon épouse Dominique au 509 47 43 41-42. Rodolphe Bertrand, 17 juin 2022. Bon, il fait sale, t'es capable. Donc, il est plongé dans le jamais souhaité. C'est seul un monde qui t'est kidnappé.
qui passe dans le couloir ça, qui connaît douleur ça, qui connaît qui ça me fait vivre là. Donc, nous faisons ça incapable, pas vrai, Gary? Oui, oui. Nous ne pouvons pas prendre micro la grande dame de la rue El Chavan pour nous demander de porter des contributions pour les gens qui ont kidnappé. Mais quand bien même. Si nous pas ta passé, quelque chose de pire, t'as frappé pote livre, frappé pote famille ça. Quelque part, nous sommes responsables, pas vrai? Mais nous faisons travail pas nous. Pour moi, nous sommes là. Il y a un numéro de téléphone qui baille. Et si on attendait, ou juger bon, ou ses proches, pour sauver une vie ça. C'est elle. Je dis à Célie, demain. Et d'ailleurs, les victimes à l'enlèvement continuent à augmenter. Jeudi a fait 8 jours depuis les bandits kidnappés. Ronnie Dumont, dans rue Lamar devant Busnisti, malgré famille en bail de rançon, bandits ont toujours pas libéré otage là, Madame Ni. Madame Dumont lance un appel à bandits dans l'occasion fête papa pour demander libérer Maril avec lui et il a gagné 2 petit garçon qui a demandé la journée que la nuit côté papa. Et c'est même situation tout pour madame Huguette Tassi Vicello, bandit et kidnappé avec chauffeur. Jeudi en fait 21 jours depuis yon amé ravisseur qui réclamait 1 million dollars américains pour chaque tête otage. C'est un total 3 comme ça, puisque dans la machine, te gagné tout. Madame Judith Montperous, moun yote bay ou libre, li même tout bandit yo, mandé 1 million dollars pour libérer les jusqu'à matin. C'est avec un pile difficulté nous apprenons pour chercher collecter l'argent pour arriver jouer une libération otage. Demain m'a dit à faire 22 jours depuis yo te kidnappé yo sous Delma. Et pendant n'a civé pas seulement plaque la police pour nous civé tout, non civé plaque officielle tout civé corps diplomatique, hein, et pas la police pour nous civé, non, nous gain officiel la corps diplomatique qui dans la rue tout, oui, gain OF 4079 bon corps diplomatique 00414. Et gen l'autre chapeau pour nous. Nous avons pile bail pour nous tirer pendant que nous sortons dans la rue. D'accord? Oui, et puis nous avons parlé de. À part M. Rodolphe, hein, qui est nommé ravisseur depuis 24 mai, gagné citoyen ça qui est Patrick Marcelin, qui gagné 64 jours les mêmes nommé ravisseur, lycée ingénieur dans affaires informatiques, et ça gagné un mois depuis bandit coupé contact avec famille après au fin recevoir un deuxième rançon. Maman Patrick Marcelin de recevoir là sous Caraïbes FM, qui est 76 l'année, des ravisseurs pour libérer petit li souple. Donc encore l'été fait demande ça dans l'occasion fait papa pour demander monsieur Obaye petit garçon yon chance après 64 jours. Bandi yo qui prend habitude là dernier jour ça yo prend plusieurs rançons, hein, pour pas jamais libérer mon tant que Rodolphe nous saute parler de Lila. Ça fait déjà 3 rançons, hein, selon information. Deux rançons selon deux rançons. Donc il y a information qui parlait de 3 rançons, mais donc c'est 2 rançons. N'a pas dit mon yo qu'il y a des risques pour que ça yo obligé pour yo ti moun k'ap risqué sorti la caillou nan pernier soit pour prendre route examen. Il parlait nous de que pour y a coopération ces machines k'ap bouler tout ti moun ki t'ap essayer sorti pour prendre route à pied pour aller examen. Pression bandi éviter l'homme yo fait yo casser tête tourner la caillou. Donc on va ouais souvent ti moun dedans qu'on y a là. Et pour pouvoir quitter le risque, pour prendre la risque, ou en fallacier prétexte que le bras l'examen. Comprenez? S'il y a la vie, il va l'examen n'importe qui là. Eh bien, ça veut dire que c'est vivre et philosopher ensuite. Comprenez? Pas qu'on parle là, pour aller quitter Timoun, mais pour aller prendre la rue peigné et autorité a été annoncée qu'il va faire des gars. Il était par autorité par Elio 72 heures dedans, si vous pas d'accord, et puis il a mis pied à terre, il dit, oh, qu'on est. Yo connais, yo connais ça le fait déjà, le travail avec eux déjà. Il fait sans couler avec eux déjà. Quand il y a Maï Moulin Koyo, dans le champ joyeux pour continuer, et puis ça va te promettre le babali. Oui, donc concernant tout à l'heure, et Rodolphe, donc c'est en fait selon on l'autre.
sous noté donc gagne un citoyen qui dit que c'est frère et qui te dit son seul rançon que bail parce qu'il te dit que les moun a dit trois rançons donc ça veut dire que vous mettez la vie frère là en danger et son seul rançon que bail déjà oui qu'on y a exigé on bis frère pas dit ou quoi son cadre quoi la travail dans institution et question c'est l'état oui fait frère avoir plus d'informations parce que animal normal donc comment ça me dit là question monde comme ça parce qu'en